Oui, je suis Moubarak Lo, je suis le directeur général du Bureau de prospective économique du Sénégal. Donc, l'IRES organise un atelier sur l'avenir des métiers mondiaux. Aujourd'hui, on discutait un peu des scénarios d'évolution des métiers mondiaux. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des transformations majeures qui sont en train de se faire au niveau mondial, concernant l'automobile. Et il faut que le Maroc, qui est un acteur majeur dans l'écosystème automobile mondial, donc dans la chaîne de valeur mondiale, de pouvoir se positionner par rapport à ces changements, ces transformations, anticiper les mutations et se mettre à niveau. Donc c'est un peu l'objectif de cet atelier, donc de partager les conclusions préliminaires et de recevoir les observations des parties prenantes, notamment les professionnels, les chercheurs, les experts de l'IRES, et à partir de là, d'enrichir le rapport, et avec notamment des recommandations, parce que c'est fondamental d'aboutir à des recommandations sous forme d'orientation stratégique, parce qu'il ne s'agit pas de faire, disons, un programme, ça c'est le rôle de l'État et du ministère, mais l'IRES en tant que tel, son rôle, c'est de faire la prospective exploratoire et donc d'anticiper ces changements et de pouvoir donner la toile de fond, ensuite d'indiquer les évolutions envisageables pour le Maroc et d'identifier justement les grandes réformes sous forme d'orientation stratégique que le pays doit adopter pour pouvoir tirer son épingle du jeu de ce nouveau visage de l'automobile au niveau mondial.